Monsieur Hébert, c'est à vous. Merci beaucoup. Évidemment que nous, la petite entreprise ici à Debout-Mistassini particulièrement, connaît ça parce que quand le moulin est fermé, une chance qu'on a eu la PME. Une chance qu'on a eu aussi des jeunes qui ont tenté puis qui ont risqué. Et puis, vous savez, je parle un peu là, du Bloc québécois à l'heure actuelle, un projet de loi privé, quand tu déposes ça dans l'opposition, c'est difficile à passer. Maintenant, le gouvernement Trudeau, à l'heure actuelle, depuis 2017-2018, a mis 395,5 millions de dollars pour aider les jeunes à acquérir des compétences et de l'expérience dont ils ont besoin pour réussir. Il y a 33 000 jeunes qui vont pouvoir développer des compétences pour trouver du travail ou retourner à l'école pour se spécialiser. L'année dernière, le gouvernement a augmenté de 50 % le montant du soutien aux étudiants à faible et moyen revenu. Dans le budget 2017, on investit pour créer 60 000 nouveaux emplois pour étudiants pour les 5 prochaines années. Le gouvernement aussi a fourni 14 millions au cours des 2 dernières années à Futurpreneur. Futurpreneur Canada, c'est pour appuyer les nouvelles générations d'entrepreneurs. Ça a aussi investi un montant équivalent aux autres partenaires, du privé et du public. Et ça a aidé 10 000 jeunes entrepreneurs à lancer 8 000 entreprises. C'est ce que le gouvernement Trudeau a fait depuis son arrivée. Il y a aussi 40 % des entreprises qui appartiennent à des femmes. Et 1,5 million des Canadiens qui y travaillent pour des entreprises sont dirigés par des femmes. 1,5 million. Alors, le partenariat avec les banques du Canada, la Banque de développement, les MRC, la CIDAL, on voit ce qui se passe à Alma, et on voit ce qui se passe dans les autres MRC. Je pense qu'il y a moyen de mettre à contribution le SADC. On voit un peu l'exemple de Porte ouverte sur le lac, qui ont freiné une bonne partie de l'exode. Alors, il pourrait avoir un incitatif de la part d'une entreprise qui prendrait le modèle de Porte ouverte sur le lac. Ça serait porte ouverte aux jeunes entrepreneurs. Venez avec nous, on va aller de l'avant. Et si je suis élu le 23, soyez sûr d'une chose, je vais penser à tout le monde, les jeunes y compris, parce qu'ici, à Debout-Mistassini, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus et on peut répéter l'exemple tout autour du lac Saint-Jean. Merci beaucoup, M. Hébert. Ceci met fin à la deuxième question. Il en reste 5. On essaie de mettre, tu sais, un peu comme un show à l'hippodrome. Vous avez les 4 chevaux qui sont sur la ligne de départ. On va voir qui arrivera à la fin. Maintenant, la troisième question. Concernant la réforme fiscale, quelle est votre prise de position concernant la réforme fiscale du 18 juillet dernier imposée par le gouvernement fédéral? Et comment croyez-vous que cette réforme fiscale pourra avoir des effets positifs sur notre économie régionale? Madame Dallaire, vous débutez. C'est à vous. Bien, tout d'abord, le NPD a toujours et sera toujours en faveur d'une plus grande équité fiscale. Cela étant dit, le processus de consultation par rapport à la réforme fiscale actuelle n'a vraiment pas eu d'allure. Monsieur Morneau l'a commencé en plein été, alors que les entrepreneurs, bien, ont le droit aussi à prendre leur petit congé, leur petit repos. Nos agriculteurs, eux, sont dans l'action vraiment intense. C'est l'été, c'est les foins, c'est les bleuets et tout le kit. Donc, nous, on a vraiment demandé par la voix de notre député Alexandre Bouldris que ça soit prolongé la consultation jusqu'en décembre pour que tous les entrepreneurs aient leur mot à dire et qu'ils puissent être entendus. Mais ceci a été refusé par le gouvernement libéral. Ça s'est terminé là, cette semaine. Donc, on était vraiment déçus du processus. Fait que vous pouvez être assuré qu'on va vraiment surveiller de près la version finale du projet de loi pour que ça ne nuise pas à nos PME et à nos agriculteurs et agricultrices. Ensuite, ce qu'on est encore plus déçus, c'est qu'ils ne sont pas attaqués aux vraies cibles, l'évasion fiscale. Hein? Et on sait que M. Morneau, le ministre des Finances, lui-même, à sa propre firme, là, Morneau-Chappell, bien ça, là, ça s'en va dans les Bahamas et, en tout cas, sans commentaire. Donc, les entrepreneurs ne sont pas contents. Hein? Pourquoi attaquer ceux qui, justement, font la création d'emplois? On l'a dit, M. Leclerc nous l'a dit tantôt, c'est 90 % des bons emplois qui viennent de nos entrepreneurs et ils prennent des risques avec ça. Fait que ça, on est vraiment déçus, c'est la mauvaise cible et en plus, ils ne sont pas entendus. Donc, voilà notre point de vue. Merci beaucoup, Madame Dallaire. Oui, Monsieur Baltin. Ben moi aussi, comme député puis comme citoyen surtout, je suis pour ça l'équité fiscale. C'est bien normal là, qu'on veut ça.
Donc, Master, le problème, c'est que le job est dans les détails. Hein. La réforme, je pense aussi qu'elle ne touche pas les véritables cibles. Un quincaillier qui paye son épouse pour tenir les livres, là, ben, c'est pas de fraudeur d'impôts. Ça. C'est la mauvaise cible. On parle souvent du fameux 1 %. Effectivement, M. Morneau, il a une firme. Morneau-Chapelle, là, mais il y en a de l'argent, M. Morneau. C'est pas un travailleur de zone comme moi et comme bien du monde. Là. Il est consultant, d'ailleurs, avant d'être élu, il est consultant, entre autres, dans les Bahamas. L'évasion fiscale, ils ont trouvé un beau truc pour annuler les paradis fiscaux. Ils l'ont légalisé. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, dans le fond, là, il y a des grands flux monétaires qui s'en vont dans ces îles-là. Puis là, on se vire de bord, puis on veut taxer les PME. Mais ça, là, il faut qu'elle se mette pincée là, pour y croire. C'est l'envers du bon sens. Parce que ça a été démontré, d'ailleurs, puis le Parti conservateur n'a pas fait mieux les 9 années précédentes, là. Pendant que les grandes multinationales engrangent des profits, là, au même moment que la productivité augmente, il n'y a pas eu d'investissement dans la région. Avez-vous des grands projets industriels se développer alors que ça allait bien? Il n'y en a pas eu. C'est les petites PME qui ont fait en sorte que les gens d'ici ont réussi à travailler et tirer leur épingle du jeu. Donc, on ne devrait pas les écraser, ces PME-là. On devrait les aider. Puis cette réforme-là, on ne fait vraiment pas ça. Le gouvernement, effectivement, il a mis fin aux consultations. Le 2 octobre, on a demandé, effectivement, d'attendre un peu. Mais effectivement, puis c'est un commentaire qui est intéressant, que être dans l'opposition, ça ne donne rien. C'est pour ça qu'on est en faveur, les Canadiens, d'une réforme du mode de scrutin pour donner un petit peu une voix à l'opposition. Mais ce gouvernement-là veut gouverner tout seul, centraliser tout seul. Donc, maintenant, l'opposition est là, il faudra qu'ils vivent avec. Puis comme député, inquiétez-vous pas, la voix du Lac-Saint-Jean va être là. C'est ça que je veux faire. Je vais vous faire entendre. Sans compromis pour les autres provinces, c'est le Québec d'abord, le Lac-Saint-Jean d'abord. Merci beaucoup, M. Maltais. On va y arriver. Oui, c'est parti pour vous, M. Hébert. Merci. La réforme Morneau, l'avantage quand on fait du porte-à-porte, comme j'en fais un peu partout autour du Lac-Saint-Jean, j'entends les préoccupations des travailleurs, des entreprises. Cette réforme-là touche les personnes, les 1 % qui gagnent 300 000 $ et plus, genre un médecin incorporé. Donc, 300 000 $ ils payent un salaire à sa... s'il y a une conjointe et deux enfants, ils payent un salaire à chacun de ses enfants. Il économise... où il paie 49 000 $ d'impôts. Il paie moins d'impôts, la personne qui gagne 300 000 $, qu'une infirmière ou qu'un policier. Alors, je vous le dis ici, les gens, là, si vous possédez une entreprise et que vous économisez pour justement un éventuel ralentissement ou que vous investissez dans votre entreprise, vous ne serez pas affecté. Les placements passifs, à l'heure actuelle, c'est 28 milliards de $ qui n'est pas injecté dans l'économie du Canada. C'est un peu ça qu'il essaie de trouver. M. Morneau a sillonné le Canada tout au cours des derniers mois, au courant de l'été. Le 2 octobre, il a terminé d'écouter les gens, et à partir de là, il est en réflexion. Puis, il a entendu les inquiétudes des travailleurs, il a entendu les petites entreprises comme ils sont inquiets. Cette mesure n'est pas définitive. Il est en consultation, il a terminé, à cette heure, il va nous donner son opinion. Si vous me lisez le 23 octobre, c'est sûr que je vais être votre porte-voix à Ottawa. C'est sûr et certain. Je vais être en mesure d'influencer les décisions du gouvernement. Parce que malheureusement, hélas, aucun de mes adversaires ne pourra le faire, parce qu'ils sont toujours dans l'opposition. Alors, cette réforme-là, qu'on entend parler beaucoup, inquiète surtout les comptables, les petites entreprises, et j'en ai sillonné des entreprises moi aussi, et quand on leur dit que c'est dans le but, justement, de plus égalité sur la fiscalité, bien, ils comprennent un peu mieux. Mais je vous le répète, M. Morneau a passé l'été à sillonner le Canada au complet, et ses décisions, c'est un projet de loi, la réforme n'est toujours pas appliquée, donc il reste encore du temps. Et si je deviens votre porte-voix, je vais faire valoir les points de vue du Lac-Saint-Jean auprès du gouvernement et pas l'inverse. Merci beaucoup, M. Hébert. On a reperdu, on dirait. M. Leclerc, c'est à vous. Merci. Ça se peut pas ce que je viens d'entendre là. J'ai passé, c'est ma 7e semaine dans le comté. J'avais commencé avant, on ne savait pas quand est-ce ça allait déclencher. Des entreprises, des PME, j'en ai vu, j'en rencontre, je n'ai rencontré encore aujourd'hui. La réforme, c'est clair, c'est un total fiasco, ça se peut vraiment pas. Les firmes de comptables, les fiscalistes, les agriculteurs, les gens de la restauration, la petite entreprise, la moyenne entreprise,
le monde sont toutes à l'envers, ça se peut vraiment pas, vraiment pas. C'est vraiment un gouvernement déconnecté. Ils voulaient pogner le même pas le 1%. Hein? Le médecin qui était tout seul, qui abusait, comme une maîtresse d'école. Il y en a un qui fait du mal, puis on les garde toutes après la classe. C'est vraiment être déconnecté. Et le ministre Morneau, mes collègues l'ont dit, il n'y a pas trop de problèmes avec ça, avec son entreprise, de même que Justin Trudeau. Avec ses trois compagnies à numéro, il n'a jamais vu où ce qu'était l'argent, il s'est jamais occupé de ça, puis lui, ça ne touche pas. On fait accraire au monde. C'est un parti qui fait accraire au monde pour l'équité. Bien, pour l'équité, ils ont fessé sur nos amis, sur nous, les employés. La majorité des gens travaillent pour les PME. 90% des emplois sont créés par les PME, puis on claque là-dessus à tout rompre. Nous, le Parti conservateur, on défend les entreprises. On a tout le temps fait des baisses d'impôts pour les entreprises. C'était ça notre passage au pouvoir. Merci. Merci beaucoup, M. Leclerc. Maintenant, je vous demande d'être patient parce que la prochaine question, j'aimerais d'ailleurs rencontrer la personne qui l'a composée, est relativement longue. Donc, je vous demande d'être patient. Ça peut prendre quelques heures. Non, pas tant, mais c'est quand même complexe, donc on va prendre le temps de la poser comme il faut. Chaque année, les Québécois versent près de 1 milliard de dollars de cotisations syndicales. Or, ces sommes font rarement l'objet d'un débat public. Il n'est pas question ici de remettre en question la pertinence des syndicats. Il est plutôt question des cotisations syndicales même, étant donné qu'elles représentent d'importantes sommes d'argent pour les 39 % de travailleurs syndiqués au Québec pour qui les cotisations sont obligatoires. En 2015, le Parti conservateur a adopté une loi obligeant les centrales syndicales à rendre public leur état financier et les salaires des dirigeants qui gagnent plus de 100 000 $ entre autres. La loi devait entrer en vigueur le 1er janvier 2016, mais son application a été suspendue par les libéraux. Que pensez-vous du renversement de cette initiative? C'est à moi. Oui, on commence par vous. C'est parti, M. Maltin. Ben, en fait, t'as pas été long à composer. C'est du copier-coller d'un article d'un chroniqueur de la presse, cette question-là. Je suis allé voir là-dessus, je l'avais déjà lu. Donc, ça n'a pas été un gros travail. Cela dit, on va y répondre quand même, parce que je suis très heureux de dire qu'en fait, cette loi n'a pas été seulement suspendue, elle a été abrogée. Ça n'existe plus, ça. Par la Chambre des communes, les libéraux, le NPD, le Bloc est en faveur de l'abrogation. Il y a presque 250 députés sur 338 qui n'en voulaient pas de ça. C'est un dogme conservateur à le fait que les méchants syndicats oppressent les travailleurs. Et ça, on parlait de clarté, c'est incroyable. On ne voulait pas que les syndicats s'impliquent en politique. Maintenant, ça n'a pas marché. J'en suis la preuve vivante. Bon, premièrement, parce que c'était quelque chose qui était injuste. Vous savez, les syndicats, on a des assemblées de membres. Les syndicats déposent leurs livres. Comme les entreprises ont des assemblées d'actionnaires, c'est pas vrai que c'est caché. D'autre part, ça c'est encore un grand déséquilibre au niveau des relations de travail. Les travailleurs, là, on veut pas que nos boss savent c'est quoi notre fonds de grève. C'est un moyen qu'on a, c'est le moyen ultime. Puis d'autres forces, mais les employeurs de leur côté, ils sont pas obligés de nous montrer leur revenu, ça. Ça n'a pas d'affaire à être privé et d'aller sur la place publique. Puis pourtant, il y a des syndicats qui, par transparence, ils le font. C'est correct aussi. Mais ce n'est pas une obligation qui devrait y avoir lieu. Donc, de débat public, pourquoi? Est-ce qu'on va demander aux chevaliers de Colomb de donner, dans le fond, leur état financier? C'est du privé, ça. Un syndicat, là, c'est un club privé. C'est un principe qui est fondamental et qu'il faut respecter. Puis, troisièmement, là, ben, en plus, le fédéral se mêlait dans des affaires qui n'étaient pas... c'était pas ses affaires. Normalement, grosso modo, là, ça rendait un gros conflit juridique, ça entraînait des énormes coûts, parce que ça violait même la Constitution canadienne. Vous savez, le droit d'association, là, c'est un droit que l'on a, ça. Donc, c'était vraiment un dogme. Le même dogme, c'était particulier, les conservateurs. Ils ont eu plus de 330 rencontres avec des lobbyistes religieux, puis les syndicalistes n'ont jamais été capables de rencontrer bien, M. Harper. Ça, ce dogme-là, ils l'ont. Donc, c'est un gouvernement. Encore, quand je parlais de la version, là, elle est très grande. J'en ai encore les tempes qui me chauffent. Merci beaucoup, M. Maltin. Beau Guillaume. M. Hébert. Encore une fois, je suis d'accord avec M. Maltais. Sur certaines questions, on se rejoint. Moi, je trouve ça incroyable qu'un gouvernement ait pensé d'aller se mettre le nez dans les livres des syndicats. Ça prenait juste le gouvernement conservateur. Je veux dire, c'est incroyable. Le droit d'association, comme le dit Marc tout à l'heure, là, c'est un droit qui est inscrit dans la Charte des droits et libertés.
et de penser qu'on a le droit d'aller fouiller dans les livres d'une organisation, j'en reviens pas, comme disait quelqu'un que j'entendais. Moi, il y a une chose certaine que je vais vous dire. Les syndicats, il y en a plusieurs qui publient sur Internet leur état financier. Alors, ceux qui veulent aller voir, doivent juste aller voir. D'autre part, on peut penser que c'est un souci très louable, tu sais, de vouloir obtenir la transparence. Mais c'est une prérogative des travailleurs, puis l'État n'a pas d'affaire à mettre le nez là-dedans. Pas plus que d'un chambre à coucher non plus. Donc, il y a toujours bien des limites de vouloir s'informer, à savoir comment est-ce qu'il y a d'argent dans le compte des autres. Moi, je suis tombé renversé quand j'ai vu, et savez-vous pourquoi? La question qui est posée, là, qui est assez longue, là, que pensez-vous du renversement de cette initiative? Bravo! C'est une promesse qui était tenue par le gouvernement libéral, puis ils l'ont abrogée, cette histoire-là. Mais moi, je suis très heureux de ça, parce que ça permet aux gens qui ont les mêmes idées de se mettre ensemble, puis de travailler à faire que leur bien-être collectif augmente. De là, aller fouiller dans les comptes des syndicats, je veux dire, c'est renversant. C'est, je veux dire, on se rappelle du gouvernement précédent qu'on ne pouvait pas poser des questions directement, tout était contrôlé, une chape de plomb, la grande noirceur. Quand on regarde plusieurs thèmes des conservateurs, on se repenserait rendu dans le temps de Duplessis. Alors moi, je pense que c'est le temps de faire confiance encore une fois à un jeune leader charismatique qui s'appelle Justin Trudeau. Puis je suis convaincu d'une chose, le 23 octobre, les gens vont voter du bon côté parce que c'est vraiment de cette manière-là, en regardant en avant, pas en regardant en arrière, qu'on va avancer. Merci beaucoup, M. Hébert. M. Leclerc, c'est à vous. Oui. Merci. Premièrement, on va recadrer ça. Des cotisations syndicales, c'est des cotisations des membres. C'est pas une compagnie privée. Il faut bien s'entendre, là. Une compagnie privée, c'est du privé. Ça, c'est de l'argent des membres, c'est pas une compagnie privée. J'ai payé des cotisations syndicales tout le temps que j'ai travaillé pour les centres jeunesse et avant, quand j'étais pour le traduit de Robert Val. J'ai payé des cotisations syndicales pour me défendre en tant que travailleur. OK? Je suis en faveur de la défense de nos travailleurs. Bien entendu, c'est pour ça qu'on paye les cotisations. Mais on est en droit de savoir c'est quoi qu'ils font avec l'argent. Bien entendu. Je suis pour la transparence syndicale. Je suis en faveur de la transparence dans le domaine de la finance. On a vu qu'il y avait eu des abus. Je suis en faveur de la transparence dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la politique. Hein, les politiciens, il faut tout savoir. Un compte de dépenses de 8 piastres pour une babelle, là, c'est la guerre. Il y en a qui peuvent dépenser à tout rond, puis point moisi. Mais avec les libéraux, c'est tout le contraire. Bien entendu, on l'a vu lors du voyage du PM sur l'île d'Algacan. On l'a vu aussi lorsqu'ils ont été octroyés 10,5 millions à un terroriste reconnu coupable. Les mauvaises décisions de ce gouvernement-là, depuis les derniers mois, ça n'a aucun bon sens. C'est ça qui est grave. Et c'est ça que j'endosse pas. Merci. Merci beaucoup, M. Leclerc. Madame Dallaire. Nous sommes d'accord, nous, au NPD, avec la décision, tout simplement parce que ce projet de loi aurait déséquilibré le rapport de force entre les employeurs et les organisations syndicales. Nous sommes d'avis que de rendre public les états financiers des centrales syndicales aurait donné un avantage aux employeurs dans de futures négociations. Et il faut se rappeler que de nombreux groupes autres que les syndicats étaient fortement en désaccord avec ce projet de loi, notamment les constitutionnalistes, les experts en protection des renseignements personnels, les provinces, les sénateurs, conservateurs et libéraux, la commissaire à la protection de la vie privée du Canada, l'Association du barreau canadien, l'Association des joueurs de la NNH et le secteur de l'assurance et les fonds communs de placement. Alors, il y avait vraiment beaucoup de monde contre ce projet de loi. D'ailleurs, le barreau du Québec s'était prononcé contre parce que ça ne respectait pas
le droit de la Constitution et le droit de la liberté d'expression. Également, ça allait à l'encontre de du droit à la vie privée. Alors, le NPD était vraiment, vraiment fier de s'être battu contre ce projet de loi aux côtés de nombreuses organisations de différents milieux. Par ailleurs, nous serons toujours en faveur d'une plus grande transparence envers les membres des organisations syndicales, dans la mesure que celles-ci respectent la Constitution et le droit à la liberté d'expression et d'association. Merci. Merci beaucoup, Mme Dallaire. On met fin à la question numéro 4. Là, on va détendre l'atmosphère avec la question numéro 5. Dans l'optique où le projet de la marijuana sera adopté. Vous voyez la blague, là? Tu sais, des fois, je suis drôle, mais c'est ça, ça prend du temps. Dans l'optique où le projet de la marijuana sera adopté, quelles seraient vos initiatives concernant la sensibilisation à la population régionale pour préserver la sécurité de tous et chacun? Monsieur Hébert, c'est à vous de débuter. Merci. Cette semaine, on en a parlé pas mal. Il y en a qui en parlent aussi tous les jours. Il y a une chose certaine, l'éditorial de Marc Saint-Hilaire disait que le pot était à nos portes et puis que surtout que la légalisation de la marijuana était imminente et qu'aucun sondage ni manifestation ne pourront changer ni freiner ce changement sociétaire. Le gouvernement libéral a décidé de légaliser justement pour contrôler. Pour contrôler, c'est-à-dire que la marijuana soit, la qualité soit contrôlée. À l'époque de la prohibition, on buvait de l'alcool et on perdait la vue. Le cannabis, à l'heure actuelle, est contrôlé par le crime organisé. Un enfant de 14 ans a plus de chances d'acheter de la marijuana sur le marché que d'acheter des cigarettes et de l'alcool. C'est fantastique. Et c'est près de 10 milliards de dollars qu'on met dans les poches du crime organisé en ne légalisant pas la marijuana. Alors, à un moment donné, là, il faut qu'on se réveille un peu, là, puis de dire que ça a assez duré. 9,6 millions de dollars dans le budget 2007 va servir à la surveillance, à l'éducation et à la sensibilisation. Il n'y aura pas d'incitatif pour la consommation du cannabis. Il va y avoir une distribution qui va être soumise à l'égard de la qualité du produit, très important, soumise aussi aux politiques de santé globale. Il va y avoir aussi, par rapport à la marijuana et l'automobile, elle sera détectable et elle sera pénalisante. Alors, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce qui va se passer plus tard. Regardez plutôt dans les cours avec la drogue de synthèse, la pinotte qui se vend à 5 piastres. Ça, c'est beaucoup plus dérangé, c'est beaucoup, fait beaucoup plus de dommages. Les opioïdes, le fentanyl. Puis pendant ce temps-là, on entend qu'il ne faut pas légaliser la marijuana, contrôlée en Uruguay, dans près de 9 États aux États-Unis où c'est contrôlé. Alors, le Canada, Pierre-Claude Nolin, le sénateur conservateur, en 2002, disait que le Canada était rendu plus loin que ça, que les politiciens étaient en arrière du monde. C'est les conservateurs eux-mêmes qui ont fait un projet privé, c'était Pierre-Claude Nolin. Alors, je pense qu'on est rendu à une étape où il faut regarder justement ce qui se passe dans nos cours et plutôt que rêver à des choses qui n'en sont pas. Merci beaucoup, M. Hébert. Malheureusement, votre temps est écoulé. M. Leclerc, c'est à vous. Puis-je avoir 10 minutes? Non. Merci. Dans un premier temps, je suis le seul candidat qui est contre la légalisation de la marijuana. Deuxièmement, il y en a qui disent que c'est fait. Bien, c'est pas vrai que c'est fait. Il va y avoir un vote en Chambre des communes par l'ensemble des députés. Je vais voter contre. À la suite, ça va aller au Sénat. C'est pas passé comme un couteau chaud dans le beurre mou. Au Sénat, c'est pas vrai. Il va y avoir de longues discussions. Il va y avoir de très longues nuits là-dessus. Et il faut que ce soit le même texte qui est accepté au Sénat et qui revient à la Chambre des communes. Fait que je crois que, présentement, c'est vraiment la charrue en avant des bœufs. Les électeurs du Lac-Saint-Jean peuvent envoyer un message clair à Justin Trudeau. Qu'on n'en veut pas. Il y a des sondages. Tous les professionnels de la santé, là, parlez à vos médecins, parlez aux psychiatres, parlez aux infirmières qui travaillent dans les hôpitaux. Ils vont dire, ça n'a vraiment pas de bon sens. C'est néfaste pour la santé. Et tous ceux
Puis quand on voit les reportages à la TV, qu'on voit sur l'héroïne, le fentanyl, la cocaïne, ils ont tous commencé par la marijuana. C'est clair, la marijuana d'aujourd'hui, elle est forte. Puis c'est pas vrai qu'ils l'acheteraient de la marijuana qui va être 20 % moins forte là, dans des boutiques du gouvernement. C'est pas comme ça que ça va marcher. Puis ça arrivera pas le crime organisé, la GRC l'a dit. Merci beaucoup, M. Leclerc. Madame Dallaire, c'est à vous. Merci beaucoup pour la question, parce que la sécurité de tous et chacun, c'est vraiment important. Alors, je dois dire qu'on n'est pas tellement impressionnés, nous, le NPD, là, de la façon de faire des libéraux dans ce choix, parce que c'est ça. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est de reporter, de lancer le problème aux provinces. Et déjà, les provinces en ont déjà plein les bras dans leurs différents dossiers. Donc, on sent beaucoup d'improvisation de la part du gouvernement. Et ça s'en vient vite. Nous, au NPD, vraiment, on avait proposé la décriminalisation d'abord et étape par étape, consultation avec les provinces, consultation avec les municipalités, pour que ça se fasse correctement. Parce que oui, on le sait, la marijuana est dans notre société et c'est bien de penser à l'encadrement de cette substance. Donc, vraiment, de le faire correctement, pas seulement en manquant de leadership comme le premier ministre le fait présentement et en n'impliquant pas toutes les différentes parties en les consultant. Donc, là-dessus, on le voit là, la semaine dernière avec la taxation, là, déjà, ça chicane. Là, on a fait le saut, là.